une parution très attendue. Libéré de la tutelle de son père depuis novembre 2021, après des longs mois de procédure et de nombreux rebondissements, Britney Spears a pu se consacrer pleinement à l'écriture de ses mémoires. Si ce livre se faisait attendre, la chanteuse de 41 ans a enfin ajouté le point final à cet ouvrage qui s'annonce explosif. Très heureuse d'avoir fini son autobiographie, écrite en collaboration avec le journaliste américain Sam Lansky, l'interprète du titre Toxic a annoncé la date de sortie à ses fans sur son compte Instagram. Dès le 24 octobre prochain, son fidèle public américain pourra se procurer son livre dans les librairies. Un ouvrage qui s'annonce d'or et déjà riche en révélations comme elle l'a sous-entendu sa publication. Elle arrive. Mon histoire. Avec mes propres mots. Enfin. Vous êtes prêts? A-t-elle écrit un brin mystérieuse. Après un petit teaser, la maman de Jaden et Sean Federline a partagé avec fierté la couverture de ses mémoires intitulées The Woman in Me. Ses followers ont pu la découvrir topless et simplement vêtue d'un jean moulant en lamé or. Un cliché tout droit sorti du début des années 2000. Au fil des pages, l'épouse de Sam Asghari revient sur plusieurs étapes de sa vie. Le livre de Britney est une histoire de triomphe. Il couvrira ses moments les plus vulnérables, son enfance, étant une petite fille avec de grands rêves, sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle cesse de raser la tête et sa bataille avec sa famille au sujet de sa tutelle. A révélé une source éditoriale auprès du tabloïd américain Page 6, le 13 avril dernier. Pour les lecteurs les plus impatients, ces derniers pourront prochainement précommander son livre. Un projet, symbole de renaissance pour l'artiste, qui lui permettrait d'empocher 15 millions de dollars. Déjà qualifié de best-seller révolutionnaire, les mémoires de Britney Spears risquent de faire grand bruit cet automne. Supérieur à supérieur à Britney Spears, découvrez son évolution physique Britney Spears, ses confidences sur l'écriture de ses mémoires au fil des chapitres, Britney Spears se livre à cœur ouvert sur son histoire et sa quête du bonheur. Dès lors, l'écriture de ses mémoires a pris plus de temps de prévu, comme elle l'a confié sur Instagram en octobre 2022. Je travaille à devenir plus forte. J'ai écrit 3 versions différentes de mon livre et j'ai eu beaucoup de thérapie tout au long du processus. En revenant sur ses blessures du passé et ses problèmes familiaux, celle qui a récemment été frappée au visage offre un livre brutalement honnête et qui vient du cœur, a révélé son éditeur Simon & Schuster. Aucune pierre n'est laissée de côté. Si est-il vraiment une histoire d'autonomisation des femmes, elle prend le contrôle de sa vie. Un nouveau chapitre semble avoir commencé pour Britney Spears. Crédit photo, agence.